يا زيد في حصتكم تزايرنا تزايركم الجزء الثاني. مرحبا بكم اذا دام التحقتوا بنا. راه معنا نادي وداد الرياضي بالكور الوزداد بالكور الى سي بي بي الوزداد ثاني كان حاضرين معنا اليوم. ويا زيد بيان سور يا زيد. ايوي قريب قريب 8 مارس. ايوي قريب 8 مارس يا زيد راه حاضر معنا. عييت كيفاش نديفي. هذا استخبار هذا بالنسبه لك. 20 سنه ولا بخي خلاص ديفي اون ابيتود. ان توكا ميرسي بور لانفيتاسيون. ميرسي بوبليك. مرحبا بك. هذا العام صغيت اون غراند بروميير. 8 مارس تاعك راح يكون في تيزي وزو. سي لا بروميير فوا في ستاد في ستاد دونك في تيزي وزو لو برومي 8 مارس في تيزي وزو اي لو 20 8 مارس دونك 20 ans دوماج. مون برومي سيتي 1997 على سال بن خلدون. ومن بعد جي في 16 على سال حرشا. ان امستردام اي ان اوغون. هادو هما لي 8 مارس تاعو. لي 8 مارس اي بورتون بور نو دائما لي 8 مارس شغل يا زيد فافار. 8 مارس كان يا زيد كان يا زيد. اي بدات الدور هذيك لا فوتو تاع الهلال. لا لا عاود ولات. نو مش نوكتا بصح سي افوتر افونتاج. نو فرانشمون سا ما توجور غراندي. ما توجور غراندي. سا فو سير. سيدير كونت اون فوز اسوسي ا كيلكو شوز ان ايفينمون نوبل. ايفينمون نوبل كي لو كومبا دو لا فام. ان ايفينمون نوبل كي لو كومبا دو لا فام كي سيت فام كي ني اوتر كو que la mère, la sœur, la femme, la fille, la tante, la voisine, la collègue de travail. Donc Hachi, toujours je prenais ça avec toujours avec, et tout. Non, avec beaucoup d'humour. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis producteurs de sitcom et tout qui me font un clin d'œil toujours parce qu'ils savent que Manzav. Donc ça fait toujours plaisir. Mais cette année, on en parlait tout à l'heure, il y a une décision très difficile que je vais prendre. Ça va être certainement mon dernier 8 mars. Certainement. Non, sérieux. Hein? Sérieux. Qu'est-ce que tu fais? Certainement. Certainement. لا Mais je voulais dédier cet événement qui est le 8 mars à la mère, l'homme, qui est quand même une femme et pas des moindres, hein, pas des moindres. Donc c'est la base de tout. La mère, je voulais attendre à t'expliquer à l'homme. Donc je voulais rendre hommage à la mère à travers cette chanson et à travers cet événement qui n'est que le 8 mars, qui m'a donné beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur. Ma tradition, c'est voir 15 000, 20 000, 30 000 femmes venir juste pour voir Yazid un 8 mars, leur rendre hommage. Et puis, moi, je dirais que le 8 mars, durant la décennie noire, était très différent. Oui. Du 8 mars maintenant, parce que la femme était quand même persécutée. Oui, justement. Elle était très visée. La femme avait besoin de soutien, avait besoin. Donc, je l'ai soutenue à l'époque. Et c'était ça qui m'a valu toute cette célébrité, toute cette association, c'était le contexte. Parce que les jeunes d'aujourd'hui ne comprennent pas pourquoi la femme a... علاش الهلال يا زيد يبان في 8 مارس كل عام. Non, pourquoi cette célébrité, c'est-à-dire cette chabia hadi, cette popularité. Cette popularité est due à la décennie noire, parce que c'est mon soutien, l'hommage que j'ai rendu à la femme. Durant la décennie noire, donc la femme me l'a rendu multiplié par des dizaines et des dizaines. Donc c'est ça qui a donné naissance à cette popularité que les gens, peut-être que les jeunes d'aujourd'hui, n'arrivent pas à saisir. Donc il faut vraiment qu'on revienne au contexte social en Algérie durant la décennie noire. Donc moi, je sillonnais l'Algérie, j'ai chanté à Sidi Moussa un 5 juillet 1996.
la femme était présente. Oui. La femme était présente, certes, pour voir Yazid, pour écouter de la musique, mais pour aussi dire que je suis là. Oui. Alors justement, à Sherinsna, à Sherintmania Mars, c'est toujours le même. Vous avez vu l'évolution de la femme et de la société algérienne à travers ces événements. Absolument, absolument. C'est le jumhur ta'ak. Exact. C'est leur fille. Donc, je suis même arrivé à Wimor, il y avait trois générations. La grand-mère, la mère ou et la fille. Et la fille. Donc c'était vraiment... Non, c'est fabuleux. Durant le 8 mars, des fois, c'est un public qu'on ne voit pas durant l'année. C'est vraiment des femmes qui veulent affirmer leurs droits. Il faut dire que c'est vrai qu'en matière de droits de la femme, l'Algérie a fait un pas géant. Un pas géant, un grand pas et tout. Mais reste des choses à faire. Reste des choses à faire parce qu'on voudrait quand même arriver à une société de respect, une société de... Donc c'est tout ça. Donc la femme, je ne dis pas qu'elle n'a pas ses droits. Elle combat. Donc le combat continue. Mais le reste à faire, comme on dit. Donc tant que la femme, dès qu'elle trouve du soutien quelque part, elle le salue. C'est comme si on rendait hommage à quelqu'un et il nous le rend tellement bien que... C'est le dernier 8 mars, certainement, vous prenez votre retraite? Non, pas du tout. Là, en ce moment, j'ai produit une émission pour enfants, d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. Oui, juste pour le canal, il y a un chou, il y a un chou, exactement. Franchement, ça a eu beaucoup de succès. Et moi, beaucoup de gens le savent, d'autres ne le savent pas. Moi, je fais dans l'infantile depuis 1998. Donc, je faisais des enfants. La chanson pour enfants. Mon premier album remonte à 1998, Mama, ensuite Madrasati et tout. Donc, je faisais, mais ce n'était pas une spécialité, ce n'était pas régulier. Donc, j'essayais de véhiculer des messages et tout. Mais l'année passée, j'ai décidé d'en faire une émission carrément produite par Amou Yazid. Où il y aurait des rubriques instructives, éducatives et tout. Donc, et j'ai vu que les gens ont accueilli cette émission avec un enthousiasme que je n'ai jamais senti. C'est-à-dire, je me voyais vraiment... Là, on a un site web, amouyazid.com, où les gens peuvent s'inscrire et tout. On est à 20 000 demandes d'assister à l'émission en 3 mois. En 3 mois, les gens veulent venir et puis j'ai pas mal d'amis qui m'appellent. Tu m'as foutu un problème à la maison, maintenant tu te débrouilles. Soit je viens dormir chez toi. Non, ils veulent venir à l'émission. Les enfants veulent venir à l'émission. Soit les enfants éduquent l'émission, soit tu vas aller dans l'émission. Sinon, vers l'émission dans un stage. Donc je me suis vu, on en parlera tout à l'heure, donc dans un rôle d'éducateur et tout. Donc c'est pour ça que c'est noble. Donc je me suis dit, je vais me consacrer aux enfants. Alors, 21 mai. Mars de l'année Hadaya, donc 20 ans, plus de 20 ans de carrière. Les enfants, c'est de l'énergie, des sports, de la haja, Et pourtant, j'ai fait l'ISTS. J'ai fait l'ISTS, j'ai fait un magister en psychologie du sport, j'ai enseigné à l'ITS de Aïmnian, beaucoup de collègues, ça nous salue. Moi-même, je suis en état de choc, moi-même. C'est pénible. C'est une décision définitive. Il n'y a rien de définitif dans la vie. Il n'y a rien de définitif et puis... franchement, si le public me demanderait un autre, je pourrais pas dire ah non, excusez-moi. Mais la question, est-ce que Yazid habbes la chanson Rail Sentimental d'accord ou habbes les concerts à 8 mars ou là c'est quoi? Franchement, mon vœu, c'est d'arrêter et la chanson pour l'adulte et les 8 mars et les concerts que je fais à travers le monde et m'occuper exclusivement des enfants. Cette année, on a produit 75 chansons uniquement cette année. Oui. Donc, on commence à faire des shows un peu partout, on va en parler tout à l'heure. Et je voudrais que ces shows-là remplacent. On en a fait des shows, donc les enfants étaient là avec leur mère. Donc finalement, il y aura des shows aussi. Enfants le 8 mars. Enfants-parents. D'ailleurs, Anaya, quand je fais des shows, je dis toujours accès. Moi, je fais toujours accès gratuit, parents et enfants. Parce que des fois, les gens se demandent est-ce que c'est juste pour ça et tout. Alhamdoulilah, on a des partenaires et tout qui nous permettent de faire un accès gratuit pour les enfants. Alors justement, le 8 mars.
mars هذا في ولايه تيزي وزو في لافسال اومني سبور دو تيزي وزو لونتري غراتويت لونتري غراتويت toujours ça va être un concert mémorable le dernier vous vous attendez à avoir beaucoup de monde est-ce qu'il y a un programme spécial en tout cas il y a des gens qui vont venir d'Alger qui vont venir de Boumerdès qui vont venir de Buira qui vont venir de partout j'espère être à la hauteur et puis moi je dis que le 8 mars, c'était pas le concert, le chant en lui-même. C'était vraiment le message que je véhiculais. C'était vraiment, je demandais toujours, je faisais toujours un petit discours au départ. Je disais aux femmes, faisant un bilan des réalisations et regardant les défis qu'il faut relever. Parce que, et ceci, sans diminuer du rôle de l'homme dans la société. Donc, parce que le 8 mars, c'était un jour où la femme devait s'arrêter et puis on faisait un bilan ensemble. Et je demandais aux hommes toujours de soutenir leurs femmes. Et puis, il y a des femmes qui ont vraiment, vraiment, vraiment besoin de soutien. Et la femme algérienne n'est pas, le rôle de la femme algérienne dans la société n'a pas à prouver sa présence ou sa compétence. L'Algérie est un pays quand même... en matière de femmes dans des postes de responsabilité, c'est un pays leader quand même. Il y a eu du chemin qui a été fait. Oui, c'est clair, c'est ce que je avancé, ça va avancer. On a bien, mais c'est qui m'a connu. Non. Alhamdulillah. Beaucoup. Mais il y a toujours des avancées à faire. Moi, je me rappelle, avant, il y a 15-20 ans, oui. Quand on voyait une femme au volant, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Oui. Une femme au volant, waouh! Tsog. C'était... Elle est à l'université. Papa, chez les Tonobel. Eh oui. Papa, chez les Maintenant, il y a... Non, mais le problème, on paye sauf la circulation, une maison, quatre voitures. Malheureusement. Yazid, je vous remercie. Nous allons vous donner un peu comme vous. On a fait comme vous. Du show déjà fait pour les enfants. C'était le 20 novembre, la journée internationale des droits de l'enfant. Voilà, journée internationale des droits de l'enfant. Le 1er juin, c'est la journée mondiale de l'enfance. Voilà. Il y en a plein. Il y a la journée internationale contre la violence éducative. Mm-hmm. Il y a la journée internationale pour les enfants soldats. Il y a la journée internationale contre l'esclavage des enfants. Il y a la journée internationale contre le travail des enfants. Alors, il y en a une quinzaine. Mars, c'est la journée de quoi? Non, c'est le 14 mars, la journée nationale des handicapés. D'accord. Nous, on l'a fait un week-end. Moi, je fais toujours mes shows le week-end. D'accord. C'est pour permettre aux parents de venir avec leurs enfants. Si vous voyez le show, d'ailleurs, vous pouvez le voir sur mon site internet amouyazid.com. Ce show-là, il y avait la maman, il y avait le papa, soit la tante et tout. Il y avait les enfants... Avec leurs parents, en famille, sortis en famille. Moi, je veux retrouver ça. Je ne veux pas que le papa ou la maman amène l'enfant à la porte et parte et revienne le chercher. Non, il reste avec lui et il le voit sourire, il le voit heureux. Parce que moi, je pense que le bonheur des parents, c'est quand ils voient leurs enfants heureux. Alors, il va y avoir un événement. En fait, c'est pour aider les enfants démunis. Exact. Les mandoms, je dirais les mandoms. باش يكون عندها نواضر اون بير دو لونيت هادي واحد تريز امبورطون باسكو اون سون با كونت ان رياليتي ان انفون جو كرو سي ان انفون سور 3 كي ا دي بروبليم دو فيو سان ميم سان روند كونت اي باري كو دون 10 ans ils seront 2 sur 4 donc c'était la moitié de la population de la terre c'est terrible et puis c'est quelque chose de qu'on vit tous les jours et puis l'enfant des fois il a mal aux yeux il fait ça il sait pas qu'il a un problème de vue parce que c'est un enfant donc là c'est vrai qu'on va équiper des enfants démunis de lunettes. Il y a des donateurs, il y a le groupe Essilor qui nous a offert 500 paires de lunettes, déjà, avec verre et tout. Donc c'est carrément une armada. On a commencé avec un rien, et là on se retrouve avec 20 ophtalmologues. Et là, en rentrant ici, j'ai reçu des messages. Il y a des ophtalmologues qui veulent se greffer à l'opération. Donc on fait toute la journée consultation. Le premier but, c'est ça. C'est de pousser les parents à faire consulter leurs enfants. Faites une consultation, ne serait-ce qu'une consultation banale de routine, comme ça, au moins qu'on soit sûr. Donc, il y a toute une salle et tout avec 20 ophtalmologues minimum. Donc, les gens vont venir. Donc, des consultations basiques. France Fanon, les consultations. Donc, les enfants vont venir. Les enfants qui présentent des troubles vont être orientés tout de suite vers un autre appareillage et tout et seront pris en charge par des ophtalmos avec un autre appareillage. À partir de là, les enfants nécessiteux qu'on va. D'ailleurs, on a lancé un appel aux associations et tout. Et l'appel est lancé à travers ZRTV aujourd'hui aussi.
Donc les associations qui ont des enfants démunis à travers le territoire national, on va essayer de généraliser ça pour les gens qui sont loin. Mais les gens qui sont proches, qui peuvent venir, qu'ils ont des ordonnances, même s'ils ont des ordonnances en main, qu'ils viennent, on va les équiper. Donc c'est un appel national aux associations. Marhaba bikoum, ramenez les gens démunis. Il faut que l'argent aille là où il faut. Bravo. Merci. Bravo pour cette initiative. Et puis à 14h, il y a le show, il y a le concert. Il y a le concert. C'est normal. C'est normal. Il y aura le show. Tu manages très bien ta carrière, tu as une vision bien précise. Tu as dit que tu as dit que l'arobama est très fort possible. Tu as dit que la musique... موسيقى التراي موسيقى الكبار استاذير كدوكا البروجي تاعك سي كوا سي داف سي اون طيور الجنه شويه ولا سي دالي فريمون دو بوسي ان بيتي بو دون سا بوكو با بوكو با انا فرانشمون جي با دو جي ني با ان بروجي كي اي لا مي سي كي سور سي كو جي في ديفلوبي مون ايميسيون سا سي سيرتان مون ايميسيون سورا اسوسيي ا توت اوفر كاريتاتيف دونك سا فا اتر ان تريمبلان pour les associations, un tremplin pour le khir. Parce que j'ai vu que... moi, je pense qu'un être humain, une émission, ou la, un nom public, ou la... Rabbi, a-t-il la notoriété, a-t-il la crédibilité. Avec les émissions, c'est bien faire le khir. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui veulent donner. Moi-même, pour cette opération, je vais tirer les noms. Il y a des gens, ils m'ont appelé, j'ai été les voir, ils ont signé des chèques à mon nom. Ils les ont donnés, voilà pour la cause. Mais ils ont donné parce qu'il y avait une personne crédible à la source. C'est ça, c'est ça. Donc, on peut, de par notre crédibilité, ramener des fonds pour ces associations ou pour ces causes. Donc, moi, c'est ça ma vision. Mmh. Ma vision, c'est ça. Donc, le côté commercial, avoir une chaîne de télévision pour enfants ou là, avoir d'autres émissions ou là, je ne sais pas. Mais pour le moment, Ammou Yazid, l'émission et le show liés avec toute œuvre caritatif. D'ailleurs, il y a une association de Chlef qui vient de m'appeler. Ils m'ont dit, on va faire la même chose à Chlef. Je leur ai dit, ok, organisez tout et on va vous aider, on va vous aider. Donc, il y a même le groupe Essilor, leur vœu, c'est de généraliser cette opération, sur le territoire national. Exact. في رياض الفتح الجمعه الجايه ان شاء الله ربي يطول في عمرنا في قاعات فرنسا فانو الفحص الفحص يبدا الصباح يبدا الصباح الساعه 9 الصباح يبدا نهار كامل وابتداء من الساعه 2 زوالا راح يكون نشوف لاكورا Voilà. Il y aura plein d'ateliers aussi pour les enfants. On va les occuper, ces enfants. Donc, il y aura des toboggans, il y aura des ateliers de dessin, il y aura quelques sponsors. Ils vont ramener des rafraîchissements, des biscuits. Donc, tout est prévu. Il y a même des mascottes qui vont tourner. Il y a des volontaires qui vont maquiller les enfants. Ils vont... Donc, ça va être une fête. Ça va être... Donc, mais tout le monde est convié. Hein, tout le monde est convié. Au contraire. ادور تشوف تاع طوبوغون لا طيب نحصل هكذا كل تمك نولي هنا ولا ريزي تاع الغاشي قاعد تنزا طوبين كيسيون بوزي وي الوغ نعيط لك شاب يزيد عمو يزيد يزيد تو كور يزيد تو كور جوسكا يزيد يا في ان بيزوان اون دوموند تاع برامج بور لي زونفون الاطفال يا با يا نا با بوكو ان الجيري vous avez mis le doigt sur un point très sensible c'était mon émission c'était une révolte franchement C'était une révolte. Moi, quand je voyais des enfants, moi, j'ai commencé par l'album pour enfants. Parce que je voyais les chansons, les enfants chanter des chansons qui ne sont pas de notre culture. Oui. C'est ça, le risque. Le risque, parce que l'enfant. Les dessins animés, c'est des mangas japonais ou bien qui viennent doubler par des personnes du Moyen-Orient. Ou d'Orient, je n'ai rien contre. Oui. Mais c'est pas nous. Il n'y a pas de dessin animé algérien pour les enfants. Notre culture. Parce que l'enfant, c'est une page blanche. C'est une page blanche. L'enfant doit apprendre des chansons, soit avec notre dialecte, soit en arabe littéraire. Clarinette ou en amazigh, c'est-à-dire une langue qu'il reconnaît. Et à partir de là, c'était une colère. Je me suis dit, pourquoi pas nous? Donc à partir de là, l'idée a commencé à marcher. Et puis la vitesse avec laquelle l'émission a eu de la notoriété, ça prouve ce que vous venez de dire. Il y a un vide grave. Mais nous, franchement, quand j'ai commencé l'émission avec mon équipe, on a mis le paquet sur le décor, on a mis le paquet sur le site web, on a mis le paquet sur la pub, on a même fait des calendriers pour les enfants, on a fait des tables de multiplication avec la publicité de l'émission. Donc on a essayé de vulgariser l'émission et tout. C'est pour ça que quand même, on a gagné du temps en matière de visibilité.
Mais, vous avez, comme vous l'avez si bien dit, il faut d'autres émissions. Il faut plein d'autres émissions, avec peut-être des rubriques différentes, avec un contexte différent, peut-être une émission à l'extérieur, peut-être une émission au studio, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, une dans une forêt, une dans en bord de mer, en été, je ne sais pas. Mais moi, je pense que les enfants ont besoin d'orientation. Et puis, moi, le message que je reçois, tous les parents sont unanimes. Ils voient que l'émission, elle est instructive. Donc ça veut dire qu'ils ont besoin de ça, ils ont besoin d'orientation. Moi, je me rappelle, quand on était jeunes, on avait des émissions d'orientation. Mm-hmm. Comment se laver les dents, comment se laver les mains, comment... Mais ils en ont besoin de ça, ils ne laissent pas comme ça. Tu vois, qu'on salue. Bah oui, fan qui écoute ça. Elle a fait du boulot, bien sûr, oui, bien sûr. T'as un choix aussi. Donc, et puis même, au niveau des programmes, au niveau de la façon d'être de l'Algérien, et l'orienter, le grand-parent, c'est-à-dire le grand-père, la grand-mère... Le voisin. Donc, on avait des conseils. Ça, c'est des conseils qu'on avait de tout le monde. Mais là, il y a une absence grave. Donc, j'espère qu'il y aura d'autres programmes qui vont au moins orienter cette. En tout cas, nous avons déjà le programme. Nous avons déjà le programme pour les efforts qui sont en train d'être faits par Yazid. اه يزيد احنا قريب نكملوا راح نكملوا مع اغنيه تاعك باش تكون على بالك تسمى باش ما تقولش درت لنا سيربريز هكذا يا درا كي راها بلابيا بتات سي لا ديرنيير فوا كي تسمعوا يزيد يغني اغنيه هكذا اون سي جامي سيت ان مومون هيستوريك كي سي كي سي قبل هذا الشيء راح نضربوا طلع على ولاد السبيطار لكن قبل ولاد السبيطار نعطيك كلمه الختام واش نقدروا نتمناو لك والله انا نتمنى اني نكون دائما ان تري دونيون Bin, ce que veulent les gens, ce que, entre le besoin et ce que peuvent donner les autres, donc le khir. Donc l'émission, c'est vrai qu'elle est là, elle est en train d'avoir de la notoriété, d'avoir de la popularité au Kamel. Mais mon vœu, c'est que cette émission tkoun un tremplin pour les associations, pour donc la réussite à l'émission, ma Amou Yazid. Inch'Allah. Et puis Inch'Allah tkoun toujours Mahbouba, Mahbouba Mahbouba Dalali qui m'a. Inch'Allah, Inch'Allah. Amou Yazid, yih ma'ana, ndrbou tla ala wlat sbital, ou ba'd nkemlou ma'ak en chanson. Let's go.